cyclisme. Je ne sais pas dans quel ordre, je ne m'en rappelle plus maintenant. La natation, la course à pied, le vélo. Enfin, l'inverse. Oh là là! Des jobards qui nagent, après c'est le vélo, et après c'est la course à pied. Cycling, swimming and running. C'est une ville. La course, le saut, le vélo. Vous avez eu dans le désordre, non? Ils courent, ils marchent, qu'est-ce qu'ils font? Du cyclisme, ou bien de la course à pied, ou bien du ski de fond. Non mais moi je ne me connais pas tellement dans le domaine du sport. Ça doit être à pied, à vélo, et ça se finit par un tir à la carabine, non, un truc, je sais pas. Moi je suis pas ici. Moi. Oui, mais je m'en fous. Le triathlon s'est enchaîné, 1,5 km de natation, puis 40 km de vélo, puis courir durant 10 km. Ce télétrottoir a été réalisé hier après-midi dans le centre-ville d'Avignon. Pourquoi en Avignon? Parce que la capitale du Vaucluse reçoit le premier championnat du monde officiel de triathlon. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, une première sur Canal+. Durant 3 heures, vous allez vivre en direct et en intégralité le premier championnat du monde officiel de triathlon avec classement individuel et par équipe. Plus de 700 athlètes présents, représentant 40 nations pour un événement exceptionnel. Les meilleurs triathlètes du monde sont tous ici en Avignon. Et pour commenter cet événement, un spécialiste du genre, Marc Toesca, triathlète de renom et bien connu des abonnés et des autres. Marc, quelle est l'origine du triathlon? D'abord, le triathlon est un sport neuf puisqu'il est né au milieu des années 70. C'était à San Diego, en Californie. San Diego qui est d'ailleurs la ville de résidence de Mark Allen, le favori d'aujourd'hui. Je crois qu'on aura l'occasion pendant 3 heures de reparler de Mark Allen. Et ensuite, la légende raconte, parce qu'il y a déjà une légende du triathlon, la légende raconte qu'un vétéran de la marine américaine a lancé un défi à ses propres cadets. Il leur a dit... Je vous bats sur 4 km de natation, 180 km vélo et le marathon pour finir, c'est-à-dire 42 km, 195. Ce triathlon est devenu le plus beau de tous, le triathlon d'Hawaï. Mais je crois que tous les triathlètes ici, présents à Avignon, qu'ils soient français ou étrangers, ont tous, dans un coin de la tête, au moins dans un coin du cœur, les images de Nice 1982-83. Ce sont les images qui ont révélé le triathlon en France. Car le triathlon est arrivé en Europe en 1982, c'était à Nice. Alors je vous propose de faire un petit flashback. C'était il y a 6 ans, le triathlon de Nice. Regardez ces images, elles sont tout à fait superbes. Mark Allen, 6 ans après, dans un état bien sûr nettement meilleur que ce qui était en 1983. Marc, le triathlon a beaucoup évolué, ces images, nous pouvons aujourd'hui les retrouver. Les athlètes ne finissent jamais dans ce même état. Non, parce que là nous avons vu 82-83, le triathlon arrivé en Europe est arrivé à Nice, donc en 82. Et c'est vraiment l'antiquité du triathlon. Aucun triathlète européen ne savait s'entraîner à l'époque. On ne savait pas ce qu'était l'entraînement spécifique au triathlon. On avait des gens d'un certain âge, essentiellement la moyenne d'âge se situait entre 32 et 38 ans, qui se sont lancés dans le triathlon. C'était des anciens nageurs, des anciens cyclistes, des anciens coureurs à pied, mais personne n'avait encore enchaîné les trois disciplines. Là, c'était vraiment l'antiquité du triathlon. Aujourd'hui, vous allez le voir, ça va nettement plus vite et les triathlètes arrivent dans un état de fraîcheur assez étonnant. Le départ de ce premier championnat du monde est prévu à 14h. Nous avons 25 minutes à passer ensemble, puis après, bien sûr, 2h30. 25 minutes d'avant-sujet, de coulisses pour vous présenter cette discipline pour la première fois diffusée sur Canal+. Il y a parmi ses concurrents un absent, parmi les meilleurs du monde, un absent qui ne peut participer car il est blessé, mais il est près de nous alors que l'on découvre sous cette forte chaleur. Il fait 28 degrés sur Avignon. Un absent de marque, c'est tout simplement le meilleur français, Yves Cordier, champion d'Europe en titre, qui est près de nous et qui va, durant ce reportage, nous faire part de ses connaissances techniques. Que vous êtes blessé, que s'est-il passé, Yves? Oui, un accident bête. J'étais dans un triathlon à Embrun et j'ai été renversé, une fracture de la clavicule droite.
et j'espérais pouvoir partir dans ce triathlon, mais la cicatrisation s'est faite lentement et j'ai encore 15 jours de repos forcé, mais j'espère que la fin de saison sera meilleure pour moi. Très bien, alors premier petit sujet, c'est bien entendu le parcours. Nous allons prendre connaissance de ce parcours qui se déroule en trois parties, une partie natation, une partie vélo, une partie course, un parcours tout autour d'Avignon qui va commencer d'abord sur le Rhône par l'épreuve de natation, 1,750 km, alors que ce Dossard 5, c'est David Palmucci, l'Italien. Ce parcours... Oui, donc un parcours dans le Rhône, 1,750 km. Les concurrents emprunteront le pont d'Avignon, ce sera très joli. Le courant sera quasiment nul. Le départ vélo sur le bord du Rhône, parcours totalement plat, abrité du vent pour le début. Mais avec tout de même deux difficultés entre les 15e et 20e kilomètres, ce sera la grande difficulté de ce triathlon. Deux côtes qui feront très mal aux jambes. Oui, disons que ce sont deux côtes qui feront une sélection, mais toutefois moyenne, puisque les concurrents pourront la monter sur un braquet de 52-17, 52-18. Mais bon, c'est sûr que ça fera une bonne sélection. Ensuite, donc, un grand parcours tout plat, avec certainement du vent de face. Et là, je crois que les concurrents qui auront plus de fraîcheur l'emporteront pour la fin du vélo. Parcours parallèle au Rhône. Et sitôt l'arrivée du vélo, ils enchaînent pour la dernière épreuve, qui sont donc ces 10 km à parcourir. Oui, la course à pied donc sur une île, l'île de la Bartolas, et puis un point stratégique, un demi-tour, où les concurrents vont se rencontrer, et là il y aura certainement des moments forts où les concurrents vont pouvoir faire une sorte d'épreuve de force, et puis les derniers 2 km dans Avignon, là je pense qu'on connaîtra le vainqueur. La décision devrait donc se faire certainement dans la dernière épreuve, les 10 km à pied. Il y a un point à signaler à propos de ce parcours. Donc il faut rappeler qu'il y a trois catégories de triathlon. Catégorie A qui est la catégorie la plus courte, catégorie B qui est la moitié d'Hawaï, et la catégorie C, tout est permis jusqu'à 180 km vélo, jusqu'au marathon, 42 km 195 et jusqu'à 4 km de natation. À propos de la catégorie A, généralement la natation est limitée à 1,5 km, mais là les organisateurs ont considéré qu'il y aurait un léger courant, même si les barrages sont fermés en amont d'Avignon. Donc on a allongé de 250 mètres la natation afin de retrouver un triathlon couru dans les temps normaux de triathlon de catégorie A. Marc Allais, Dossard numéro 7, grand favori américain de 31 ans, meilleur triathlète du monde depuis 3 ans, 6 fois vainqueur à Nice, grand favori de ce premier championnat du monde. Et à signaler qu'il va peut-être être aussi pour la 4e fois vainqueur ici à Avignon, car Marc Allais est déjà venu courir 3 fois à Avignon, puisque cette ville reçoit le triathlon depuis maintenant 1985. C'était généralement des triathlons de catégorie B, c'est-à-dire moitié de distance d'Hawaï. On a entreaperçu le matériel de ces triathlètes. Peut-être que vous ne connaissez pas le matériel d'un triathlète. Alors c'est l'occasion de le découvrir, et c'est Philippe Métion, numéro 2 français en l'absence d'Yves Cornier, qui nous présente le matériel du triathlète. Le triathlon est une épreuve chronométrée et nous devons donc éviter le maximum de perte de temps. Nous utilisons donc des matériaux qui sont conçus pour cela, et notamment une trifonction. Cette trifonction-là, nous la mettons avant le départ. Avec celle-là, nous faisons l'épreuve de natation, l'épreuve cycliste et aussi la course à pied. C'est une combinaison qui est conçue pour laisser passer la transpiration et donc assure un confort maximal. Pour l'épreuve natation, j'utilise cette combinaison en néoprène qui évite les refroidissements et qui permet une meilleure flottaison. C'est une combinaison qui a la particularité de s'enlever très rapidement grâce à une fermeture éclair. Elle s'enlève comme cela en moins de quelques secondes. Pour l'épreuve de natation, j'utilise également des lunettes. Ces lunettes me permettent de m'orienter plus facilement. La vision des bouées sur le parcours de natation est plus facile comme cela. Juste après avoir donc enlevé cette combinaison, je me dépêche pour aller à mon emplacement vélo et je mets tout de suite ces chaussures de vélo, chaussures traditionnelles,
qui se mettent et se défaitent grâce à un velcro et qui nous permettent donc de gagner encore du temps. D'autre part, ces chaussures de vélo se mettent avec des attaches rapides, c'est-à-dire que c'est exactement le même système que les chaussures de ski. Elles s'emboîtent directement sur la pédale, les pédales de vélo, et ça nous fait gagner encore du temps. Et en plus, assure un meilleur confort. Pour l'épreuve vélo, j'utilise également un casque qui nous protège en cas de chute, et aussi ce casque améliore notre aérodynamisme. En ce qui concerne l'épreuve course à pied et vélo, j'utilise des lunettes à verre foncé qui permettent de nous reposer le cerveau et aussi d'éviter que les moucherons et toutes sortes d'insectes pénètrent dans les yeux et qui pourraient nous faire perdre du temps et nous faire un petit peu s'énerver, quoi. Dès que l'épreuve vélo est arrêtée, je saute dans mes baskets qui sont chaussées avec des élastiques et non pas des lacets traditionnels, et cela pour nous éviter de perdre du temps et les enfiler plus rapidement. En ce qui concerne le vélo, j'utilise un cadre plongeant, donc avec une petite roue à l'avant et une roue lenticulaire à l'arrière, avec la particularité d'avoir un guidon de triathlète, c'est-à-dire un guidon à quatre appuis, et qui nous permet de nous soulager les épaules et les reins, et d'avoir un meilleur coefficient de pénétration dans l'air, c'est-à-dire un aérodynamisme amélioré. Le départ est prévu, le départ du quart, pour quelle raison? Le départ du quart est prévu dans 5 minutes, ce quart va amener les 50 premiers dossards à l'endroit où partent les nageurs, distant de 2 km d'ici. Ce quart est prévu à 2h10, c'est le départ de la première vague à 2h. La première vague permettra aux 160 meilleurs triathlètes du monde de partir, les 160 meilleurs hommes. Rappelons, c'est un championnat du monde. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, chaque pays a sélectionné 6 hommes et 6 femmes pour représenter leur nation. Sont présentes 50 nations. Et il y a en plus des athlètes invités par leur fédération à la suite de sélections qui concourent, mais non pas pour le titre officiel de championnat du monde. Il y aura un classement individuel et un classement par équipe qui se fera sur les 3 premiers. Le célèbre pont d'Avignon, qui s'appelle exactement le pont Saint-Bénézet et qui date du 12e siècle. Et à noter que les triathlètes passeront dessous et c'est un véritable plaisir, Yves ne va pas me contredire, de nager sous ce fameux pont d'Avignon. Yves, on a vu ce matériel du triathlète. Le matériel évolue rapidement. Le triathlon est toujours à la pointe de la technologie. Ben oui, c'est sûr que je crois que là, on est en plein dans le sujet du fait que on a été un peu propulsé par les médias grâce à la victoire de Greg Lemon dans le Tour. Et je crois que ça nous fait beaucoup de bien de voir que la pointe de la technologie qui entre dans le triathlon sert parfois pour les meilleurs cyclistes, pour les meilleurs coureurs à pied ou pour les meilleurs nageurs. Donc je crois qu'on a toujours des innovations avant tout le monde et on cherche beaucoup à s'améliorer là-dessus. On a maintenant d'autres innovations que le guidon. Il y a donc les roues lenticulaires, les roues à bâton et puis bien d'autres encore vont venir. On aura l'occasion d'en parler durant ces 40 km de vélo. Et à propos de l'évolution du matériel, toute cette évolution nous arrive d'abord des États-Unis. Parce que là-bas, aux États-Unis, il n'y a aucune contrainte. Il y a les gens connaissaient d'abord le cyclisme à travers le triathlon avant l'arrivée de gens tels que Greg Lemon, par exemple. Et c'est vrai que des triathlètes comme Dave Scott ou Mark Allen assuraient la publicité. On les voyait dans les magazines avec des casques. C'est eux qui faisaient, comme Mark Allen ici, la publicité pour du matériel de cyclisme, pour des vêtements de cyclistes. Mark Allen est dans le car et justement on écoute Mark Allen interviewé par Marc Toesca. Comment vous sentez-vous? How do you feel? I feel pretty good. I trained specifically for this race. Je me sens I've parfaitement cut bien. My miles back and done je me more suis entraîné spécifiquement pour cette épreuve. It's going to be a really hard race to win though. Ce There's sera une all the course Americans, très difficile à gagner. Il y a des Australiens, des Américains, des Européens. Cette course sera très difficile. Quels sont les concurrents les plus dangereux pour cette épreuve? From the United States, I think Mike Pigg. Mike Pigg est un des concurrents, Rick Wells. The list goes on. I could sit here all day and name them. There's probably
Il y a 10 coureurs, 10 triathlètes qui pourront gagner cette épreuve. Vous êtes un des plus célèbres triathlètes dans le monde. En France, on vous aime beaucoup. On connaît moins bien votre histoire. Alors, quand avez-vous commencé à pratiquer le triathlon? You are one of the most famous triathletes in the world. Can you tell a little bit of your story? When did you begin to practice triathlon? I started triathlons in 1982. J'ai commencé le triathlon en 1982 et j'ai vu un reportage à la télévision et j'ai tout de suite décidé de me lancer dans le triathlon. J'ai participé à quelques courses que j'ai pris au hasard dans le calendrier. Et aujourd'hui, me voilà en 1989 face au premier champion du monde de triathlon. La première fois en France, c'était en 82 à Nice, un triathlon que vous avez bien sûr gagné. Que pensez-vous de l'évolution du triathlon en France et des triathlètes français? Quand j'ai fait Nice en 1982, il y avait peu de gens dans la rue et sur la route en train de courir, en train de faire de la bicyclette, en train de s'entraîner. Et quand je suis revenu en 1989, il y avait des triathlètes partout. Et des triathlètes de haut niveau comme Yves Cordier. Et la France peut attendre beaucoup d'un triathlète comme Yves Cordier, qui hélas ne sera pas présent ici au triathlon d'Avignon. C'est le premier véritable champion du monde. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir des surprises? Il est tout à fait possible d'avoir des surprises dans cette course. Il y a des gens que l'on ne connaît absolument pas. C'est court, c'est rapide. Il y a peut-être un garçon au top niveau qui peut sortir, un excellent nageur qui peut sortir en tête de l'épreuve et passer la ligne d'arrivée en tête. Tout est possible dans cette course. Marc Allen dans le car avec cette caméra. Placé dans le car, il y aura 14 caméras qui vous feront découvrir, 15 caméras exactement, qui vous feront découvrir ce triathlon tout au long du parcours. Il y a 3 hélicoptères, 3 moto-images, 2 motosons sur lesquels nous retrouverons plus tard Thierry Dujon et Thierry Gilardi. Il y a dans ce car les 50 premiers dossards avec les formations italiennes, américaines, brésiliennes, polonaises, norvégiennes, autrichiennes, suisses, belges et japonaises. Aujourd'hui, le triathlon se pratique dans le monde entier. La Fédération internationale, l'Union internationale du triathlon, l'IUT, vient enfin de se créer. C'était en avril de cette année. Le siège est maintenant à Stockholm. Le président est un Canadien, M. Les MacDonald. Et ce triathlon sera peut-être, même sûrement prochainement, une épreuve olympique, puisque M. Zaramanche, le président du CIO, est tout à fait favorable au développement de ce sport. Et la catégorie A, comme vous en a parlé Marc, il y a quelques instants, la catégorie A donc sera officiellement la distance olympique. Elle durera environ 2 heures. Ce triathlon aujourd'hui devrait durer autour de 2 heures. C'est une durée parfaitement médiatisable pour offrir un spectacle le plus formidable possible. Il y a une autre raison que cette catégorie A, c'est-à-dire 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km à pied, soit retenue pour les Jeux olympiques. La raison est simple, c'est en natation et en course à pied, ce sont les distances les plus longues disputées. Les 10 km sur piste, le 10 000 mètres, le 1500 mètres en natation et les 40 km représentent, d'après la Fédération internationale de triathlon, ces 40 km de cyclisme représentent l'équilibre parfait entre le 1,5 km de natation et les 10 km de course à pied. Vous découvrez ce parc à vélo. Alors ce parc à vélo est l'endroit où bien entendu les athlètes déposent tout leur matériel. Et curieusement, ce matériel a été déposé hier entre 10h du matin et 17h30. Matériel gardé bien sûr par les gens de sécurité. Et pour quelle raison déposez-vous ce matériel si tôt, Yves? Bah, disons que c'est pas dans tous les triathlons, mais là il y a donc une sécurité à respecter. Les commissaires doivent regarder si le matériel est bien en état, disons pour les boyaux, savoir s'ils sont bien collés, les freins, enfin disons que. Et puis ça permet aussi de, quand les triathlètes arrivent le matin, qu'il n'y ait pas de bouchons et donc ça simplifie beaucoup l'organisation. Il y a parmi les athlètes, bien entendu, on a beaucoup parlé d'hommes, il y aura les femmes, les meilleures du monde et une équipe de France. Et parmi une internationale française, eh bien, il y a une athlète, Véronique Dumas,
qui se déplace curieusement dans un mobilhome lorsqu'elle fait ses triathlons. Cela vous prouve à quel point il y a des amateurs à côté des professionnels dans ce domaine. Ça marche pas. Un petit problème de son sur le reportage de Véronique. Nous retournons donc dans le car. Ces bus qui amènent les triathlètes sur l'aire de départ de natation qui se situe à un peu moins de 2 km du parc à vélo. Donc les concurrents à 14h prendront le départ et descendront le Rhône sur 1750 mètres. 1 km 750 de natation. Avec, précisons-le, pas de courant, une température de l'eau qui sera de l'ordre de 20-22 degrés, des conditions très chaudes, peut-être même d'ailleurs un petit peu trop chaudes. Oui, bah disons que c'est toujours très difficile d'évoluer dans les pleines chaleurs. Bon, disons qu'il n'y aura pas de gros problèmes pour la natation, mais les problèmes arriveront certainement dans la course à pied où vraiment c'est là où on souffre le plus de chaleur. Mais sur un triathlon A comme celui-ci, les hommes n'ont pas encore vraiment le temps d'être en déshydratation. Et là, nous sommes encore dans le bus. Et les visages sont déjà tendus et je pense que des gens comme Marc Allen, par exemple, ou Froiland sont déjà dans la course. Alors comment pourrez-vous distinguer, alors que l'on voit le dossard 56, Dave Bradin, qui fait partie de l'équipe nationale néo-zélandaise, comment pourrez-vous distinguer ces athlètes? Ils ont un dossard, ils ont au feutre indélébile marqué sur leurs deux biceps à droite et à gauche leur numéro de dossard. Ils ont également sur les cuisses marqué leur numéro de dossard. Et puis dans l'eau, ce sera sur leur bonnet. Karel Blondel, le 39, c'est un Belge. À ses côtés, Werner Jurtehagen, également de l'équipe nationale belge. Il y a des nations comme l'île Vierge qui sont présentes ici. Hong Kong, Porto Rico, des athlètes de Curacao. Ou Curaçao, par exemple. Des îles Vierges. Des îles Vierges. Et alors, c'est une chose surprenante, justement, parce que Marc Allen a un petit peu peur de ces athlètes tout à fait méconnus qui ne sortent jamais en Europe. Ça a assisté à une surprise. Oui, c'est le premier véritable et premier officiel, le premier champion du monde officiel de triathlon. Il y a des gens que Marc Allen n'a jamais croisé, jamais rencontré. Il a dit dans son interview, on peut s'attendre à tout dans ce triathlon. En plus, vous l'avez vu et Yves l'a expliqué, le circuit cycliste ne présente aucune difficulté. Un garçon comme Marc Allen aura du mal à faire la différence en cyclisme. Et vraiment, on peut s'attendre à tout. C'est un champion du monde très, 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 très ouvert. Et on annonce 5 à 6 noms, 6 noms potentiels, 6 triathlètes peuvent être champions du monde aujourd'hui. Les visages se tendent. À côté de Marc Allen, c'est Jeff Devlin de l'équipe nationale US. Certaines anxiétés. La course démarrera dans quelques instants. Les moments les plus fous pour ces athlètes arrivés pour la plupart en tout début de cette semaine qui ont repéré ce trajet. Certains d'ailleurs nageaient encore dans le Rhône hier à 17h. L'eau hier était à 20 degrés, mais elle a peut-être monté aujourd'hui encore. Les triathlètes sont équipés de combinaisons, mais il y a quand même un point important à propos de la réglementation de ces combinaisons. En dessous de 16 degrés, la combinaison est obligatoire et au-dessus de 23 degrés, cette combinaison est interdite. Entre 16 et 23, on fait vraiment comme on le sent au feeling. Mais généralement, les combinaisons, les triathlètes préfèrent mettre les combinaisons car c'est vrai qu'elles aident beaucoup à la flottaison. Et pour un parcours comme le Rhône par exemple, ce parcours de 1750 mètres, ce sera beaucoup plus facile avec une combinaison. Première vague, bien sûr, elle concernera tout d'abord les athlètes masculins. Les femmes partiront 10 minutes après. Puis une troisième tranche partira 20 minutes après. Elle concernera une tranche d'âge située entre 25 ans et 40 ans. Puis après, ça sera la tranche au-delà entre 40 et 65. Il y a un athlète de 70 ans, le plus jeune, ayant 15 ans. Première chose à faire, c'est donc de mettre sa combinaison le plus vite possible parce que le départ ne sera donné que par un coup de pistolet et il faut être très vigilant. Et puis donc se placer sur le mieux possible sur la ligne de départ. La mise à l'eau est souvent un des moments les plus pénibles des triathlons.
Oui, disons que là aujourd'hui l'eau est quand même relativement bonne, mais c'est vrai que quand l'eau est froide, on a de temps en temps du mal à rentrer dans l'eau. Et on ne nage pas toujours dans des bassins exceptionnels de propreté. Oui, c'est sûr, mais enfin, je crois que c'est le triathlon et on montre de bonnes images. Ce filet, Jean-Philippe, tout à fait Thierry. Jean-Philippe, c'est ici sur la ligne de départ, ou plutôt cette mare d'eau de départ avec Vincent Bavel, un des concurrents français de ce triathlon. Comment vous le sentez, Vincent, ce triathlon? Pour l'instant, je ne sais pas encore, c'est le départ, ça va partir très très vite là. Et tous les coureurs, tous les nageurs se mettent un peu sur la droite puisque le courant porte plus sur la droite et on délaisse un peu la gauche du départ. C'est pour ça va être très 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 dur au départ, il faut faire sa place. Votre tactique, suivre les plus forts? Ah oui, au maximum, c'est tout. Vincent Bavé qui est du Racing Club de France et qui est entraîné en cyclisme par Cyril Guémard, himself, en personne. Et qui a 21 ans et qui est un étudiant en kinésithérapie, qui est d'ailleurs l'un des rares athlètes à être en équipe de France à cumuler les études et le sport à un haut niveau. Marc Allen tarde à se mettre dans l'eau là. Marc Allen qui n'est pas un nageur exceptionnel. Les temps de ces athlètes sur 1500 mètres se situent autour de 17 minutes. Pour vous donner un ordre d'idée, le record du monde, même si cela n'a rien à voir, mais simplement pour avoir un ordre d'idée, le record du monde est détenu, vous savez, par Salnikov en 14 minutes 53 secondes. Bon, là, nous sommes en eau douce. Ces athlètes sont capables de tourner en 16 minutes, 16 minutes 30, 17 minutes. Bref, dans la discipline du 1500 mètres, ces athlètes sont capables d'être dans une finale nationale, même internationale. C'est vous dire la qualité de ces nageurs qui, après, bien sûr, enchaîneront le vélo. Attention, le départ dans quelques instants, ça sera un départ au coup de pistolet pour donc ce premier championnat du monde de tout ce qu'il y a de plus officiel, avec ce filet qui va se lever. L'un des favoris, Richard Wells. Un Australien. Néo-Zélandais. Néo-Zélandais, oui. Excellent nageur, excellent nageur. Et qui a gagné à Nice en 1987. Jean-Philippe. Thierry Gilardi avec nous. Oui, juste pour vous donner les conditions de course avec une eau à 21 degrés alors que la température extérieure est à plus de 40 degrés. Notre thermomètre a même explosé. Donc des conditions assez difficiles. Une eau très calme, pas de courant, mais une eau très sale. Plus de 40 degrés, il est évident que la course à pied sera très très difficile. Il faudra s'économiser, même si c'est une course contre la montre, il faut partir vite, arriver vite. Ce triathlon durera environ 2 heures, même moins pour les premiers. C'est le plus court des triathlons, mais peut-être le plus explosif. C'est une grande tension là, je crois. Il faut d'entrée partir vite, éviter les bousculades. Parfois les poulets sont possibles et le starter. Michel Maridet, organisateur de ce triathlon d'Avignon, avec le concours bien sûr de la ville, du département, avec la fédération et son président Jean Cotte. Michel Maridet, aussi un très bon triathlète. Et organisateur des triathlons d'Avignon précédents également. Une énorme organisation que la préparation de ce triathlon, plus de 600 bénévoles, des pompiers, des escadrons de gendarmerie, des compagnies de CRS, la police nationale, tous mobilisés pour cet événement international. Qui est retransmis par 9 pays en direct. Que ce soit au Japon, en Suède, en Allemagne fédérale, au Canada, en Australie. Et 150 concurrents pour le départ de natation, c'est vraiment un nombre idéal. Personne ne se bouscule. Le filet va bientôt se lever. Départ dans quelques secondes. On évite bien sûr de se faire voler le départ. Chose qui arrive fréquemment en triathlon. Oui, mais pour le moment, il y a trop de pression sur le filet. C'est pour ça que les commissaires demandent à la première ligne ou aux nageurs qui se trouvent en première ligne de se reculer légèrement. Dossard 81. C'est Juan Ayet José espagnol. Il fait partie des 6 athlètes de l'équipe nationale espagnole. Quelques petits problèmes au départ de la natation. Ça y est, c'est parti pour 1 km 750.